Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Crouch Gaming pour vous servir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ comme c'est prévu parce qu'on a dépassé les 400 abonnés, on a 404 au moment où je tourne la vidéo, j'espère qu'on sera encore plus au moment où elle sortira. Je vous remercie du fond du cœur, merci beaucoup, 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 ça me fait extrêmement plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir aussi d'être aussi nombreux. Ça met une meilleure ambiance dans la chaîne, c'est ça qui est important et j'en suis ravi. Ça fait plus de monde sur les lives, plus de monde dans les commentaires, plus de monde et plus de monde, plus d'ambiance, plus on est de fou, moins y a de riz. C'est par les questions qui ont été posées sur Facebook, c'est simple, il n'y en a eu qu'une seule sur Facebook. Vous n'êtes pas très nombreux en même temps sur... Enfin si, vous êtes nombreux, mais vous n'êtes pas très actifs sur Facebook, donc il y a moins de questions. Alors, la question sur Facebook nous vient de Brigitte Winton. Ok, j'aimerais savoir comment vient l'envie de créer une chaîne YouTube. C'est beaucoup de travail, d'implication. Non, j'aimerais aussi savoir sur quels critères tu choisis tes jeux. Alors, comment vient l'envie de créer une chaîne YouTube? Ben, depuis toujours, j'ai toujours beaucoup joué aux jeux vidéo. Et j'ai toujours eu envie de partager, mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le faire. Enfin, si plus jeune, j'avais déjà une chaîne, je faisais des vidéos sur Call of, dont la qualité a été absolument dégueulasse. Mais enfin voilà, je sais pas, c'est un envie de partage en fait. J'ai toujours aimé partager ce que je faisais, j'ai toujours aimé partager avec les autres, être en communauté, on va dire. Et voilà, quoi de mieux de partager ces jeux vidéo sur YouTube et pour avoir une très grande communauté avec qui la partager justement. Après, au niveau de l'implication, ouais, c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, ça me prend pas mal de boulot, bah déjà parce qu'il y a les lives, quand je fais un live, c'est entre 1h30 et 3h que ça dure déjà. Après, quand je fais les vidéos, c'est encore plus compliqué, ça dépend du type de vidéo. Si je vais faire un let's play, ça va être relativement rapide, puisque j'ai juste à capturer ce que je fais, à faire en sorte que ce soit pas trop dégueulasse dans le montage. Ça me prend quoi? Le montage, il dure même pas une demi-heure quand c'est un let's play, c'est très très rapide. Donc ça va. Mais c'est vrai que quand c'est des vidéos plus compliquées comme les aventures 2, par exemple celle avec Thor, on avait je crois joué pendant 5 heures et après j'ai dû condenser ça en une demi-heure. C'est vrai que ça fait beaucoup de boulot parce que je dois visionner les 5 heures complètes pour voir les meilleurs moments, conserver les meilleurs moments. Après avec les aventures 2, mais celui avec Monsieur Chris c'était un peu plus court parce que le rush en lui-même était plus court, donc ça m'a pris un peu moins de temps à le faire, mais ça a quand même pris pas mal de temps. C'est vrai que c'est quand même beaucoup de boulot et d'implication, même si ça me fait énormément plaisir de le faire. Après, sur quels critères je choisis les jeux? Ben déjà, s'il peut être intéressant, s'il y a vraiment matière à faire une vidéo dessus, je veux dire, il y a des jeux où vraiment, franchement, je les ai mis dans la console, j'ai commencé à jouer, je les connaissais pas, j'ai commencé à jouer, je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo dessus. Le jeu, franchement, était dégueulasse, on peut le dire, il y en a eu plusieurs comme ça où j'ai joué pendant des heures et des heures en me disant, mais comment je vais faire une vidéo là-dessus? C'est impossible. Il y a des jeux comme The Deadly Tower of Monsters où franchement, j'étais pas sûr de faire la vidéo, mais au final, avec quelques montages, j'ai trouvé ça acceptable. Je sais pas si vous avez regardé la vidéo, à vous de me dire ce que vous en pensez au final. Mais oui, j'ai trouvé ça acceptable au final, mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui ne s'y prêtent pas vraiment. Et c'est toujours toute la question, est-ce que ça va vous plaire, est-ce que ça va vous intéresser? Donc j'essaie de trouver des jeux intéressants pour vous et qui me font plaisir à jouer pour moi, tout en respectant l'esprit multigaming, pas faire toujours le même jeu, donc j'essaye d'alterner dans les vidéos, même s'il y a plusieurs vidéos Batman, mais c'est normal puisque c'est un let's play, il y a plusieurs vidéos Sherlock Holmes, mais après sinon, The Tower Monster par exemple, il n'y aura qu'une vidéo et je n'en ferai pas d'autres parce que c'était une vidéo découverte. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question. Alors, Mathéo et Thomas qui me demandent un partenariat, une collaboration, hashtag FAQ. Bah alors Mathéo et Thomas, ben comme je l'ai toujours dit, moi je vois absolument aucun problème, je peux faire des vidéos avec n'importe qui du moment où il y a un projet intéressant, un jeu qui m'intéresse, donc il n'y a absolument pas de problème, il faut juste qu'on en discute, qu'on en parle, et voilà, donc il n'y a pas de problème, j'en ai déjà fait avec Monsieur Cri, j'en ai fait avec Thor, j'en ferai avec d'autres, et pourquoi pas avec toi. Pourrais-tu faire des vidéos avec un youtubeur comme moi? Question de Zoria tout court. Bah écoute Zoria, oui, comme je viens de le dire, moi il n'y a absolument aucun problème, je peux faire des vidéos avec qui que ce soit, il n'y a pas de raison. Et pourquoi un youtubeur comme toi? T'es un youtubeur spécial? Non, il n'y a pas de youtubeur spécial, on est tous youtubeurs, on fait des vidéos pour le plaisir. Et donc moi je vois pas absolument pas de problème à faire une vidéo avec toi du moment qu'il y a un projet, une vidéo, un projet de vidéo qui m'intéresse et voilà, je ne vois pas trop quoi te dire de plus. Alors, Stéphanie Schwartz, qui est ma femme, qui m'a posé une question.
Quel est ton jeu vidéo Mario préféré? Alors là, c'est une question très intéressante à laquelle je vais m'empresser de répondre. Donc, voilà l'animal. Super Mario Bros. 3. C'est pour moi tout simplement le meilleur Mario qui ait eu. C'est le jeu qui, pour moi, a donné ses grandes lettres de noblesse à Mario, qui l'a rendu indéboulonnable. Et pour moi, c'est vraiment le jeu Mario auquel je pourrais prendre du plaisir à jouer n'importe quand. Et le recommencer, le recommencer, le recommencer, le recommencer encore et encore et encore et encore. Vraiment, c'est un super jeu et je suis désolé s'il y a encore des jeunes qui ne le connaissent pas, mais bon, je vous incite à l'essayer, que ce soit en achetant la mini NES ou une NES, et ça, bon, une NES ça va coûter dans les 40 euros maintenant, et un Super Mario comme ça coûte 8 euros peut-être. Donc voilà, si vous avez vraiment un super jeu, ça revient au prix d'un jeu neuf. Après, le seul problème c'est que c'est un peu court, mais franchement c'est pour moi le meilleur Mario encore à l'heure actuelle. Pourtant j'ai la Wii U, hein, j'ai quasiment tous les jeux Mario, mais pour moi ça reste encore le meilleur. Question de Gaëtan Solo. Ça fait combien de temps que c'est ta passion? J'espère que tu vas les avoir vite, tes 400 abonnés. Ben donc les 400 abonnés ils sont là. Et ça fait combien de temps que c'est ta passion? Je ne sais pas si tu parles des jeux vidéo. Les jeux vidéo c'est ma passion depuis... Je joue aux jeux vidéo depuis que je dois avoir 3-4 ans, je regardais mon père jouer encore avant. Enfin, je sais pas, j'ai toujours eu une manette entre les mains. Et donc, ça a toujours été plus ou moins ma passion, les jeux vidéo. Après, si tu parles de YouTube, j'ai eu d'autres chaînes avant, une où je faisais déjà des jeux vidéo, des vidéos sur Call of, notamment la célèbre chanson Alors on campe. Et j'avais justement une chaîne où je faisais de la musique, mais ça remonte un petit peu maintenant. Mais sinon oui, faire des vidéos sur YouTube, j'ai toujours aimé ça, ça m'a toujours intéressé. Et voilà. Et donc c'est ma passion depuis un bon moment maintenant. YouTube ça va faire 10 ans, même si la chaîne là n'a peut-être que 6 mois, mais YouTube ouais ça va faire presque 10 ans, voire même plus, et les jeux vidéo c'est depuis toujours. De Stéphanie Schwartz encore. Quel est le FIFA que tu préfères? Bah écoute. Je pense que c'est tout à fait logique, puisque quand on joue à une simulation de foot, ce qu'on recherche, c'est la beauté des graphismes, la fluidité dans le jeu, l'intelligence de l'IA, enfin le réalisme, quoi. Et donc je pense que c'est sans conteste FIFA 98. Non, je déconne, c'est forcément FIFA 17. FIFA 17 qui... Voilà qui est le top, et si on compare à PES, je préférerais toujours FIFA 17. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Thomas Dos Santos, quelle est ta console préférée? Ah, ça c'est une question très intéressante, Thomas Dos Santos. C'est une question très 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 intéressante. Alors on va dire, si tu me demandes quelle est la meilleure console à l'heure actuelle, la meilleure console, c'est sans conteste la PS4 à mes yeux. Enfin maintenant c'est la PS4 Pro, mais à mes yeux c'est... Ça va réellement être la meilleure console qui est à l'heure actuelle, mais si tu parles vraiment de moi, de celle que je préfère, même si c'est sur la PS4 que je passe le plus de temps, il y a bien une console que je préfère plus que celle-là, c'est tout simplement la Super Nintendo. C'est une console que j'adore depuis toujours, il y a vraiment des super jeux là-dessus, et pour moi elle reste indémodable. Voilà. Au risque de paraître vieillot. Ma console préférée, c'est ça, même si je passe le plus clair de mon temps sur la PS4. Le gamer du 35 qui me demande comment sont tes journées. Hashtag FAQ, PS, je te kiffe, continue, go 400 abos. Bah déjà, merci, ça me fait plaisir de savoir que tu me kiffes. Et voilà, on a atteint les 400 abos, ça me fait plaisir aussi. Alors, comment sont mes journées? Alors ça va dépendre, parce qu'en fait je travaille, je suis intérimaire, donc je travaille quand il y a du boulot. Donc ça va dépendre si je bosse, si je bosse pas, si je bosse en matin, si je bosse en midi. Après si je bosse pas, le plus clair de mes journées, on va faire mes journées si je bosse pas. Je me lève vers 14h, à peu près. Je me lève, je m'habille, je regarde des vidéos sur YouTube. Ensuite j'allume la play. Je fais 2-3 rushs, après en général je monte une vidéo pour le soir et comme ça le soir je peux soit aller en live soit jouer avec des amis sur la PS4 et en général je mets la vidéo en allant me coucher, je la mets en téléchargement vers YouTube. Quand je bosse pas, après quand je bosse c'est plus compliqué, c'est pour ça que quand je bosse c'est plus souvent que des let's play que je fais parce que comme je vous l'ai dit le montage est plus rapide sur les let's play donc... Voilà, après, c'est difficile de détailler mes journées quand je bosse.
Enfin, ouais, c'est assez compliqué de détailler mes journées parce qu'elles se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais oui, c'est un long boulot quand même et j'ai plein d'autres choses à faire, aller voir mes parents, aller voir mes grands-parents, aller voir mes beaux-parents, aller voir mes beaux-grands-parents, aller voir. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc c'est assez compliqué de te définir une journée type en fait. Mais j'espère quand même avoir répondu à ta question. Monsieur Chris, comment vois-tu ta chaîne YouTube dans le futur? Ah! Bah écoute, dans le futur, j'y suis pas, si ça se trouve, demain je meurs, il n'y a plus de chaîne, enfin je sais pas, il peut se passer plein de choses. Mais moi, comment je l'imagine? Bah, j'imagine qu'on va continuer à augmenter, 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 et qu'on soit très nombreux, très actifs, et surtout qu'on rigole tous ensemble. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une communauté tout simplement où tout le monde me connaît forcément, puisque c'est moi qui fais les vidéos, mais où il y a des bonnes relations entre tout le monde, que dans les commentaires, voilà, on plaisante entre nous. Enfin voilà, c'est un petit peu un monde idéaliste, mais pour moi ça serait ça en fait le top, ça serait qu'on se connaisse même si on se connaît pas. Après au niveau des jeux et ça, ben au niveau des jeux je pense quand même qu'il y aurait une petite évolution, puisque là notamment je serais en train de m'entraîner sur After Effects, enfin voilà, je fais des petits trucs pour essayer d'améliorer toujours la qualité des vidéos, donc j'espère qu'on va augmenter en qualité pour augmenter en nombre, pour augmenter en plaisir tout simplement, c'est vraiment mon seul objectif après. Si j'y arrive, ben tant mieux, on se fera plaisir tous ensemble. Et si j'y arrive pas, ben je continuerai à me faire plaisir tout seul. C'est pas, y a pas de problème avec ça. Voilà. Après, comment moi j'imagine ma chaîne dans le futur, c'est assez compliqué. Donc j'espère avoir répondu à ta question, mais ça reste assez vague, je sais. Tower 57070, tu utilises quel logiciel pour tes vidéos? Eh ben Tower, justement. J'en parlais. Là, je suis en train de m'entraîner sur After Effects pour essayer de faire des vidéos d'encore meilleure qualité, puisque c'est un logiciel un peu plus professionnel. Mais sinon, jusqu'à maintenant, j'utilise beaucoup ShareFactory. Ça, vous l'avez sûrement remarqué. C'est le logiciel qui est propre à la PS4, le logiciel de montage avec la PS4, qui, ma foi, est plutôt pratique, facile d'utilisation et assez fonctionnel, même s'il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Mais c'est normal, ça reste un logiciel gratuit. Mais voilà, en tout cas. C'est ça que j'utilise en majorité. Après, il y en a plusieurs. Il y a une LED Video Studio que j'utilise de temps en temps. Il y a Movie Maker que j'utilise beaucoup. Windows Movie Maker aussi, ben, il est gratuit. Pareil, il est assez limité, mais il est gratuit. Il y a pas mal de fonctionnalités quand même. Et voilà, ouais. Et là, je travaille sur After Effects, donc pour essayer d'augmenter la qualité des vidéos. Et j'espère que je vais réussir à le gérer et que les résultats vont vous plaire. Monsieur Chris, c'est quoi qui t'a donné envie? Monsieur Chris Gaming, pardon. C'est quoi qui t'a donné envie de commencer YouTube? Bah écoute, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer YouTube? Bah, je l'ai déjà dit avant, quand j'ai répondu à la première question. Qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer? Ben, tout simplement l'envie de partage, en fait. J'ai toujours aimé partager avec les autres, être très proche des autres, enfin voilà, et. Et donc voilà, quel meilleur moyen de combiner mes deux passions qui sont le partage et le jeu vidéo, ben YouTube tout simplement, ça me semble être la réponse logique. Donc voilà, je sais pas quoi te dire de plus, j'espère que ma réponse te convient. Et ben c'était déjà la dernière question, donc j'espère avoir répondu à toutes les questions de la bonne façon, j'espère que ça vous a plu. Plus, j'espère que vous reviendrez pour la suite. J'espère que le nombre d'abonnés va continuer à grimper. J'espère que on va continuer à s'amuser. J'espère plein de choses. J'espère qu'on pourra faire une FAQ spéciale 1000 abonnés bientôt. Enfin voilà, j'espère plein de choses et surtout j'espère que vous allez tous bien vous porter dans l'avenir. Et moi, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Et tout le temps, toi. Allez, à plus, c'était Crouch Gaming pour vous servir.